le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse ce soir. Est-ce que vous êtes dans la joie? Alors qu'on nous chante, je sais, c'était le chant. Je sais, c'était le sang. 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 Oui, pour moi, lorsque je... Oh oui, à la croix, il mourut. Je sais, c'était le sang. Oh. Oui, lorsque je t'ai perdu, à la croix, il mourut. Je sais, c'était le sang. Oh. Si Christ n'était pas mort, si Christ n'était pas mort, je sais, si Christ n'était pas mort, oui pour moi, oui pour moi, je serai toujours errant, vivant dans le péché. Si Christ n'était pas mort pour moi, oui, je serai toujours errant, vivant dans les péchés. Si Christ n'était pas mort pour moi, prions le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, toi, le Dieu des esprits, des prophètes, tu es le créateur incréé, l'ingénieur inventaire de notre âme. Ce soir, nous sommes venus, Seigneur, répondre à cet appel solennel que tu as placé une cloche dans notre cœur pour venir au temple et t'écouter nous parler. C'est un grand plaisir, un grand privilège, Seigneur, d'avoir un Père comme toi et qui nous parle dans tes propres manières. Ce soir, mets l'homme de côté et que tu utilises ce canal, Père, afin que ton peuple soit édifié. Laisse que la parole qui sortira du haut de cette chair puisse résoudre chaque problème dans les cœurs de tes enfants, puisse chasser chaque démon, puisse guérir chaque malade. Nous nous remettons à toi, Seigneur, du début jusqu'à la fin. Dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons prié avec foi. Amen. Amen. Encore une fois, shalom. Malatena, shalom. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre dans les livres d'Exode. Basi bila kawia, tachukua mkitabu kia kutoka. Exode 12. Kutoka sura yake ya 12. Vous y êtes? Ok, 12, nous prendrons le verset 23. Tutachukua mustari ya 23. Où nous commencerons au 22. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope. Vous les tremperez dans le sang qui sera dans le bassin. Et vous toucherez les linteaux et les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin.
Au 23, la Bible dit, quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur les linteaux et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Nous prenons le deuxième passage. C'est le passage de l'épouse, Malachie 4:5. La Bible dit, voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive. Ces jours grands et redoutables. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous mettre. Saluez quelqu'un à côté de vous. Dites-lui que Dieu vous bénisse. Et soyez la bienvenue dans la maison du Seigneur. Amen. Amen. Ce soir, c'est un grand privilège de la part de notre Seigneur Jésus de pouvoir se tenir derrière cette chair pour pouvoir parler. Et je remercie notre très cher pasteur pour sa marque de confiance à notre endroit. Que Dieu le bénisse richement pour tout ce qu'il ne cesse de faire pour nous. Amen. Amen. Je crois que cet après-midi, vous êtes dans la joie d'être ici. Moi aussi, je suis dans la joie de vous retrouver. Alors, ce soir, nous n'allons pas prendre beaucoup de temps. Nous allons essayer de faire juste un peu de bruit pour exciter, élever votre foi pour nous préparer à la prière. Amen. Amen. Je crois que la seule chose qu'on ne pourra pas faire assez, c'est prier. Vous pouvez tout faire assez. Vous pouvez manger assez, parler assez, mais pas prier assez. Amen. Ce soir, je voulais intituler cette exhortation. La tache de sang sur le manteau d'Abraham Lincoln. La tache de sang sur le manteau d'Abraham Lincoln. Et mon inspiration se place à la liberté. Amen. Amen. Pourquoi est-ce que nous allons parler sur la tache de sang sur le manteau d'Abraham Lincoln? Vous le savez tous que c'est la semaine de Pâques. Amen. Amen. Non seulement la semaine de Pâques, nous sommes dans la semaine où un grand don est venu sur la terre. Est-ce que vous le savez? Que le 6 avril, c'est une grande date pour l'épouse. Moi, je ne veux pas croire qu'il y a une coïncidence que dans notre pays, que cette journée soit fériée. Hein? Frère Branham dit que l'aigle voit toujours loin. Quelque chose peut se faire ici, mais l'aigle lui monte dans les hauteurs et il peut bien voir la vraie signification de la chose.
chose qui est ici. Na naweza kuona ile maana ya kitu kenye kwa hapa. Amen. Amen. Quand la charte panaméricaine avait déclaré une certaine date, wakati charte la liberté ya des juifs walileta ile uhuru ya wana pour le reste du monde, personne n'avait prêté attention à cela. Ya mabaki ya dunia hakuna mtu aliyeshutuka. Mais frère Branham dit, lakini ndugu Branham anasema, c'est à la même date, à la même heure, ni kuile tare moja moja na saa moja que l'ange m'a rencontré. Yo malaika alikutana na mimi. Donc il n'y a pas de coïncidence. Kuna mambo ya kubahatisha. Au Congo, nous fêtons la naissance de frère Branham. Huko Congo tu kuna na sherelekea kuzaliwa kwa ndugu Branham. Peu importe ce que les autres disent, Kimbangu, nous ne connaissons pas Simon Kimbangu. Nous ici nous disons que nous fêtons la naissance de frère Branham. Alléluia. Amen. Alors avec la semaine de Pâques, Pâques c'est cette période où notre Seigneur a été arrêté, tué et ressuscité. Nous avons vu dimanche frère Branham dire que c'est la semaine la plus importante. Amen. Amen. Et quand frère Branham accentue importante, c'est que pour nous c'est important. Que Dieu soit loué. Mungu asifiwe. Alors j'aimerais lire une citation. Basi napenda kusoma avant de commencer, kabla kwanza, j'aimerais lire dans la prédication, la condamnation par représentation, napenda kusoma katika mahubiri kuhukumiwa pafuasha mtu mwingine, du 13 novembre 1960, ya mwaka sitini, au point 232, frère Branham dit, ndugu Branham anasema, les gens se demandent souvent. Je vais dire ceci. Écoutez bien. Ils disent, frère Branham, aucun ministère n'est comparable au vôtre. Amen. 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 Nulle part dans le monde, hakuna fuashi duniani, par les surnaturels qui l'accompagnent, ya kiro, yenye kuishindikiza, nasema, des grands hommes, kubwa, je pourrais mentionner leur nom ni, si ce n'était pas enregistré. Niliweza kutaya manjina yabu kama bakuwe na irikodi. Ces grands hommes m'ont appelé warinita, pour que j'aille avec eux. Nilipate kwenda pamoja nao. Il disait, votre ministère est la seule chose qui sauvera le monde. Alléluia. Amen. Le ministère de frère Branham, c'est la seule chose qui sauvera le monde. Nous sommes privilégiés ce soir. Alors nous voyons que la Pâque, frère Branham dit que a commencé avant même la Bible. Elle a commencé en Eden. Et en Eden, il n'y avait pas de Bible. Il n'y avait que Adam. Et tout ce que vous connaissez. Mais frère Branham dit, Adam était le pasteur dans son église. Adam pasteur. Il prêchait son église. Son église de trois croyants. Kanisa ya militatu. Il y avait Eve son épouse. Ewa, mke wake. Kayen et frère Abel. Kaini na nduku Abel. Et Adam était le pasteur. Na Adam walikuwa ka pastori. Jusqu'à ce qu'ils sont arrivés au moment de l'adoration. Paka ile wakati walifika wakati ya kuabudu. Amen. Amen. Quand ils sont arrivés au moment de l'adoration, walifika wakati ya kuabudu, chacun des frères dressait un autel. Kila mmoja alipasha kujenga madhabahu. Pour adorer l'Éternel.
kuabudu ule wa milele. Kaya adresse son hotel. Kaini alijenga madhabahu yake. C'est pourquoi frère Branham dit. Mana ndura anasema. Les religieux aussi. Watu wa kidini pia. Connaissent qu'il faut adorer Dieu. Anajua kusema inabidi kumwabudu. Kaya adresse l'hôtel. Kaini alijenga madhabahu. Non pas pour blaguer. Kwa kenjo kuchezesha. Mais c'est pour adorer Dieu. Kwa njo kuabudu Mungu. Abel aussi adresse l'hôtel. Abel pia alijenga madhabahu. Mais quand on arrive au moment de l'adoration. Comme l'adoration ne devrait pas se faire comme quelque chose d'ordinaire. Abel a eu la révélation de quelle adoration Dieu écoute et exauce. Alléluia. Abel a prié un agneau comme il était un berger. Il a immolé un agneau. Frère Branham dit quand Abel a immolé l'agneau, pourquoi Dieu s'est réjoui? Parce que ce qu'il avait déjà fait depuis l'éternité était représenté pour la première fois sur la terre. L'agneau n'était pas immolé sur la terre. Frère Branham dit l'agneau était immolé dès avant la fondation du monde. Et Abel, est le premier à représenter cette image sur la terre. Et Dieu a agréé l'adoration d'Abel. Quand il a agréé, cela a irrité Caïn. Caïn qui avait offert que le fruit autour de sa chair, il n'y avait que des fleurs. Croyant que Dieu allait agréer le fruit. Alors que la seule chose que Dieu peut agréer, c'était le sang. Amen. Amen. C'est pourquoi notre religion, c'est la religion de sang. Dans Exode, la Bible dit, quand je verrai le sang, je passerai par-dessus. Quand je verrai le sang, je ne frapperai pas cette maison-là. Amen. Amen. Et le sang, c'est depuis l'Éden. Vous connaissez comment est-ce que Caïn s'est énervé contre son frère. Les bien-aimés ou les frères qui vivaient dans une même église. Des bien-aimés frères. Et depuis l'Éden, la Pâque a commencé. Caïn se fâcha. Au lieu de reproduire exactement comme son frère. Parce que Dieu lui avait dit, ne te fâche pas, mais fais aussi comme ton frère. Au lieu de faire comme son frère, comme il était la semence du serpent qui ne peut se repentir. Il a tué son frère. Amen. Amen. Et c'est de là que nous voyons la première Pâque. Que Dieu soit loué. Maintenant, frère Branham dit, dans le livre de la livre de rédemption ou la puissance de Satan, au point 12, est bien. Le livre d'Exode est un livre complet de la rédemption. Racheté. Racheté signifie ramener. Placé dans la position correcte. Quelque chose qu'on rachète, c'est ce qui est sorti. Ce qui n'est pas à sa place. Ce qui n'est pas à sa place régulière. À la place normale. Et racheter cela, c'est
le ramener à sa place. Les hommes sont sur cette terre pour être fils et filles de Dieu. Est-ce que vous comprenez notre but? C'est pour être fils et filles de Dieu. Mais lakini, quand ils ont erré dans le péché, wakati walitankatanga katika zambi, ils ont quitté leur état initial. Bariondoka pale fwashi yabo ya kumwanzo. Frère Branham dit, sema, et le Saint-Esprit, kusema Rome takatifu, au travers du sang de Jésus, kupitia damu ya Yesu, les rachète en les ramenant dans la position convenable, ikuna bakomboa mukubarudisha mule musimamo yenye kustahili, des fils et des filles de Dieu. Ya wana na wabinti wa Mungu. Amen. Amen. C'est que nous voyons la mission du sang de Jésus. Kusema tunaona kazi ya damu ya Yesu. Parce que je ne fais pas redire la même chose. Mon idée derrière cette prédication est que vous compreniez la signification du Pâques et de la venue de William Branham. Ces deux événements arrivent au secours d'un peuple. Amen. Amen. La Pâques arrive au secours d'un peuple. Elle arrive au secours d'un frère ou d'une sœur qui est coincée, un frère que le diable a terrassé, une sœur que la maladie a terrassé, et la Pâque vient pour restituer ce qui a été pris chez l'homme, le droit de l'homme. Amen. Amen. Et c'est ça que Fabrame est en train de dire ici. Maintenant, sasa, pourquoi est-ce qu'il fallait que l'agneau verse le sang? Frère Branham dit, après que Adam soit tombé, le péché avait constitué un mur. Et ce mur empêchait Dieu d'entrer en contact avec l'homme. Alléluia. À chaque fois que l'homme voulait entrer en contact avec Dieu, le péché constituait un mur. C'est ainsi que depuis l'Éden, Dieu a montré la voie pour être agréable à Dieu. Cependant, le sang des animaux ne pouvait pas donner l'accès libre pour que l'homme rentre dans sa position initiale. Frère Branham dit, le sang des animaux couvrait seulement le péché. Il couvrait le péché et l'adorateur ressortait avec le désir du péché. Mais cela ne pouvait pas donner l'accès pour entrer dans la présence de Dieu. Dans ces jours-là sur les calvaires, Frère Branham dit qu'il fallait un sang supérieur. Le sang des animaux n'était pas supérieur à l'homme, parce que l'homme était le top de la créature. L'homme est le supérieur de toute la création. C'est que pour les racheter, il fallait un sang supérieur à l'homme. Or, parmi les humains, tous les hommes étaient tombés. Alors, il fallait le sang de quelqu'un supérieur. Et quand Dieu vit qu'il n'y avait pas personne, Frère Branham dit qu'il s'est créé lui-même une cellule de sang. Donc c'est le sang de Dieu qui est supérieur à l'homme. Il s'est créé une cellule de sang afin de pouvoir verser ce sang. Il verse ce sang dans le but de ramener l'homme à sa place initiale, parce qu'il ne pouvait pas supporter que l'homme qui était à son image soit toujours loin de lui. Dieu met en contact avec l'homme. Dieu aime communier avec l'homme. C'est ainsi qu'il se créa lui-même cette cellule de sang. Amen. Qui veut dire que sur
en dessous de ce son, Branham dit l'adorateur, une fois entré dans cette présence, il n'a plus le désir du péché. Il ne sent plus le désir d'aller repêcher encore. Amen. Voilà la différence entre le sang des animaux et le sang de Dieu lui-même. C'était pour amener l'homme à entrer directement dans la présence de Dieu. Que Dieu soit loué. Mais depuis toujours, quand Dieu essaye d'amener un message pour ramener la race humaine à lui, le diable commence aussi le travail. Le travail, c'est de retourner la compréhension des gens afin qu'ils puissent rater la cible. Amen. Amen. Le diable travaille pour que le travail que Dieu est en train de faire ne puisse pas avoir d'impact. Que cela ne puisse pas avoir des résultats. Il est chikwe na matokeo, des résultats concrets. Matokeo ya konekana, parce que Dieu veut que l'homme rentre kwani Mungu anapenda mtu arudie dans sa position initiale. Ule msimamo yake ya kumwanzo. Alors je crois que ce soir vous êtes prêts. Basi na mini mangaribi muku tayari. Car nous allons voir comment est-ce que Dieu a fait cela. Kwani tutaona namna gani Mungu aliifanya. D'une manière paradoxale. Namna ya kushangaisha. Amen. Amen. Est-ce que vous croyez frère Branham? Eti mnamwamini ndugu Branham? Nous allons commencer. Tutaanza sasa. Je vous ai promis qu'on ne va pas traîner. Nilimilaka sasa tusakawia. Frère Branham dit. Ndugu Branham eko nasema. Dans la prédication histoire de ma vie. Katika mahubiri hadithi ya maisha yangu. Au point 3 aya yake ya 3 Fabanamdi dukubana ngo nasema. Et je pense na nikuna wazia qu'à travers cet âge kupitia ikizazi, je pense au père de notre nation nazania wa babu wa taifa yetu George Washington. Comment il s'est confié en Dieu. Je pense à Abraham Lincoln. Nikuna waza Ibrahim Lincoln. Fabanamdi, je ne suis pas un politicien, mais Lincoln était mon favori parmi tous les présidents que nous avons eu. Il a dû suivre les chemins difficiles. Suivez frère Branham. Abraham Lincoln. Il a un mystère à faire avec la chose d'aujourd'hui. Branham dit ceci. Il a suivi un chemin difficile. Branham dit. Peut-être parce que j'ai dû suivre ce chemin-là. Frère Branham commence à faire une liaison entre Abraham Lincoln et lui. Branham dit, c'est la raison pour laquelle je sympathise avec Lincoln. Et nous pensons que le seul livre que Lincoln ait jamais eu, livre pluriel, jusqu'à l'âge de 21 ans, c'était la Bible et le livre des martyrs de Fox. C'est ce qui a modelé le caractère de Lincoln. Montrez-moi ce que vous lisez. Laissez-moi entrer dans votre bureau, dans votre maison, et voir ce que vous lisez. Et je vous dirai qui vous êtes. C'est juste. Alors Fabana me dit, tout va avec la nature. Tout va avec la nature. Maintenant, il commence à nous montrer. Que remarquez, Abraham Lincoln est né en 1809. Abraham Lincoln a résalé en 1809. Dans une cabane. Katika cabane fulani nyumba ya mabao. À Kentucky. Il est quoi Kentucky?
Est-ce que vous me suivez? Il est mort à l'âge de 56 ans. Frère Branham est parti à l'âge de 56 ans. Branham dit, il n'avait pas d'instruction. Et son nom se termine par H-A-M. La chose qui m'intéresse, il fut le libérateur des hommes noirs. Abraham Lincoln fut le libérateur des hommes noirs. Est-ce que nous sommes noirs ce soir? Dans cette église, nous sommes noirs. Et Dieu vous bénisse. Frère Branham ajoute, dans question-réponse de 3 janvier 54, Frère Branham dit, j'ai dit aux enfants quelque chose comme cela. Vous savez, il y a eu 3 grands hommes qui sont sortis de Kentucky. Est-ce que vous aimeriez savoir les 3 hommes qui sont sortis de Kentucky? Frère Branham dit, qui sont-ils? Bien. Abraham Lincoln. Daniel Boone. Et votre père. Na baba yenu. Qui est notre père? Ni nani baba yetu? C'est William Marion Branham. Il a dit il n'y a que 3 hommes. 3 grands hommes. Ils sont sortis de Kentucky. Abraham Lincoln. Daniel Boone. Et votre père. Na baba yenu. Et ce soir nous savons que notre père, c'est William Marion Branham. N'oubliez pas mon sujet. La tache du sang sur le costume ou le manteau d'Abraham Lincoln. Alléluia. Amen. Un jour les noirs étaient dans l'esclavagisme. On les avait amenés en Amérique où ils étaient assujettis. Ils étaient coincés parce qu'ils avaient quitté leur territoire. On les a menés en Amérique comme des esclaves. Amen. Et ils ont commencé à vivre une vie qu'on les a imposée. Parce que la vie de l'esclavage, c'est une vie qu'on t'impose. C'est une vie, tu n'es pas libre. On te fait faire des choses qui ne dépendent pas de toi. Alléluia. Amen. Frère Branham dit, je n'aime pas voir les gens coffrés ou qui manquent la liberté. Car Dieu a créé l'homme pour être libre. Mais qui renferme l'homme? C'est le diable. Si tu vois un frère qui veut toujours dominer un autre, c'est qu'il est animé de mauvaise esprit. Frère Branham n'a jamais aimé cela. Il est allé au zoo. Il dit, c'était l'endroit le plus horrible parce que j'ai trouvé des animaux. J'ai trouvé même un aigle enfermé dans un cage. Frère Branham dit, si j'avais l'argent, j'allais racheter cet aigle. Et l'aigle ce soir, c'est toi et moi. Frère Branham a dit, quand j'ai vu l'aigle, un oiseau de hautes hauteurs, un oiseau de grandes ambitions, un oiseau qui a une longue vision,
mais dans un cage renfermé par des barreaux. Frère me dit, j'ai pensé, si j'avais l'argent, j'allais racheter cet aigle pour le laisser libre et s'en aller. Il n'y a que les diables qui aiment coffrer les gens. Il n'y a que les diables qui aiment l'esclavagisme. Les diables aiment une vie d'assujettir les gens. Mais notre Dieu, il est le Dieu de la liberté. Et quand les noirs se sont retrouvés là, ils n'avaient pas de choix. Ils ne pouvaient rien faire, car ça ne dépendait pas d'eux-mêmes. Un jour, un président a été voté. C'est Abraham Lincoln. Depuis qu'il a accédé au pouvoir, son ambition, son désir ardent, c'était de voir un jour les noirs être libérés. Car il avait compris que les noirs sont des humains comme nous. Ils n'étaient pas des animaux. Et il a continué dans sa lutte. Ah, que Frère Popol vienne nous aider. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Amina, amina. Maintenant, nous allons décoller. Ça, ça, tout à l'heure. J'avais senti déjà qu'il y avait une lourdeur. Que Dieu bénisse frère Eliezer. Alors Abraham Lincoln a continué dans cette lutte pour libérer les noirs. Alléluia. Mais seulement, il ne savait pas par quel moyen libérer les noirs. Il n'avait jamais pensé qu'il libérerait les noirs par sa propre mort. Amen. Amen. Et un jour, dans une salle de théâtre, Abraham Lincoln, alors qu'il avait dit au noir, moi Abraham Lincoln, je veux signer votre liberté, car il n'y a pas une chose meilleure sur la terre comme la liberté. Frère Branham dit, nous devons aimer la liberté. Il n'y a que le diable qui veut t'imposer une vie où tu vis dans une routine, une vie où tu es bloqué par la maladie, une vie tu es bloqué par ta difficulté. Tu termines une tête ici, tu prends une autre tête, tu termines ce problème, l'autre problème t'attend, et tu fais la marche de la mort en train de tourner sur la même place. Mais Dieu du ciel, le créateur de toutes choses, aime voir ses enfants libres. Car quand vous êtes libres, même votre adoration est meilleure. Alléluia. Comme Abraham Lincoln lisait la Bible, il avait le fondement. Il et le martyr de Fox, Martyr de Fox, il a dit au noir, demain ça sera le lever du soleil. Demain, moi en tant que président, j'ai l'autorité de signer que chaque noir est libre. Et il a signé les décrets. Mais comme les autres n'aimaient pas cela, et les noirs étaient dans l'attente, car la liberté était demain. Alléluia. Et le message parcourait de bouche en bouche, demain nous serons libres. Demain nous serons libres. Et tout le monde était dans l'attente. Et le soir, Abraham Lincoln
a été fusillé, assassiné, mais cela n'a pas empêché. Alléluia. Alléluia. Cela n'a pas empêché que ce qu'il avait déjà signé soit exécuté. Je me demande si Abraham Lincoln, qui n'avait même pas fait cela avec sa propre volonté, sa parole ne pouvait pas être révoquée. Il devrait respecter sa parole. À combien plus forte raison notre Seigneur Jésus-Christ, qui a déjà parlé sur toi, qui a déjà signé sur toi, et cela au prix de sa vie, et cela au prix de sa vie. Alléluia. Alléluia. La liberté nous appartient. Et quand les noirs vers les 3h-2h du matin, 3h-2h, parce que le sommeil ne pouvait même pas venir. Alléluia. Alléluia. Le sommeil ne pouvait pas venir. Ils attendaient tous le lever du soleil pour être libre. Frère Branham dit, quand ils sont allés, tellement qu'ils voulaient voir le soleil, ils voulaient faire lever le soleil même par force. Ils sont allés à une montagne pour monter gravir et voir le soleil se lever. Alléluia. Branham dit, ceux qui étaient forts gravissaient rapidement la montagne. Alléluia. Alléluia. Le problème, Mambo, ce n'était pas que je sois au sommet, mais que celui qui est fort, une fois qu'il dira que j'ai vu le soleil, cela devrait régler la question. Les jeunes forts sont montés, ceux qui étaient forts ont gravi, les plus faibles venaient aussi, les faibles montaient aussi. Mais tous, notre désir, c'est de voir le soleil, le rayon du soleil, cette lumière qui peut nous rendre libres. Le décret était déjà signé. Et quand ils sont montés, frère Branham, ceux qui sont arrivés au soleil, ils étaient dans l'attente. Et ils se sont assis selon l'ordre d'arrivée. Alléluia. Alléluia. Et quand les premiers ont vu les rayons du soleil frapper à l'horizon, ils ont crié en regardant ce qui était en bas: nous sommes libres, nous sommes libres. Celui qui était au milieu reprenait le même message. Il communiquait aussi à l'autre: nous sommes libres. Même si on lui demandait: as-tu vu le soleil? Non, il y a un témoin. Un témoin là. Il ne peut pas mentir. Nous sommes libres. Frère Branham dit, les naturels sont le type de spirituel. Les gens qui étaient coffrés, c'était nous, enfermés par les barreaux de l'enfer, enfermés par les liens de famille, enfermés par les malédictions de ce monde. Alléluia. Alléluia. Frère Branham dit, des fois il y a des victimes innocentes. Amen. Celui qui a péché, c'est l'autre. Mais celui qui paye, c'est l'autre. La Bible avait dit, le jour où tu mangeras les fruits, c'est le jour où tu mourras. Notre Dieu ne mange jamais. Mais quand Adam mangeait les fruits, on n'a jamais vu Adam mourir. Adam est resté en vie. Mais la première personne à mourir, c'est
était Abel? Qu'est-ce qu'Abel avait fait? Rien. Victime innocente. C'est pourquoi nous devons prier Dieu afin qu'il nous épargne des liens de famille, qu'il nous fasse quitter les malédictions héréditaires. Frère Branham dit, il y a des choses que les arrière-grands-parents ont fait et ici nous subissons des conséquences. Mais nous avons le remède. Dieu ne peut pas nous laisser sans remède. Qu'est-ce que le remède? C'est le sang de Jésus. Frère Branham dit, t'as exposé de cet âge que le sang de Jésus a la capacité de vous faire quitter votre famille biologique et de vous greffer à la famille de Jésus. Il faut que tu aies greffé à la famille de Jésus. Il n'y aura plus de malédiction. Il n'y aura plus d'échec. Parce que c'est le sang pur. Alléluia. Le naturel typifie le spirituel. Frère Branham dit, nous étions coincés. Par le diable, la race déchue d'Adam était coincée. Tout le monde qui venait, ils ont essayé les efforts, mais ils se retrouvaient rattrapés. Et il n'y avait pas d'espoir. Mais Dieu avait dit, autant marqué, je reviendrai. Il ne nous avait pas laissé seuls. Il y avait une promesse. Et c'est cette promesse qu'on avait comme espoir qu'il viendra un jour. Alléluia. Que Dieu soit loué. Mungu asifiwe. Et les noirs étaient libérés. Na beusi balikuwa uhuru. Les noirs étaient devenus libres aux États-Unis. Balikuwa sasa na uhuru yote kumarekani. À cause de qui? Kwa ajili ya nani? À cause d'Abraham Lincoln. Ibrahim Lincoln. Est-ce que vous êtes là? Eti kuna nifuata? Abraham Lincoln. Abraham Lincoln a libéré les noirs. Alitia uhuru watu weusi. Frère Branham dit ceci. Dans l'église et sa condition. Kanisa na kanuni yake. Frère Branham dit. Baba nasema, au point 146. Kifungu yake ya 146. Il y a quelque temps. Kuko wakati chache. Je me trouvais dans un colisée. Nilijikutanisha ku colisée moja. Ou un musée. Wa nilikunisha ku musée moja. Non loin de Chicago. Aina mbali na Chicago. Et j'ai regardé. Na nilitazama. Tout ce qu'il y avait là, j'ai aperçu un vieux noir avec une petite couronne de cheveux blancs sur sa tête. Il se promenait, son chapeau à la main. Je l'ai regardé. Il regarda à l'intérieur de quelque chose. Puis il recula brusquement. Et les larmes commencèrent à couler sur ses vieilles yeux. Alléluia. Alléluia. Il dit, les larmes commencèrent à couler machozi kanza kuvuya sur ses vieilles joues noires. Ba machafu yake ya zamani mweusi. Il se mit à prier. Akaanza kuomba. Je l'observais. Ni kwani kimtazama. Quelques instants. Wakati chache kisha. Il regarda à nouveau et se remit à pleurer. Na tena kuria. Je me suis avancé et j'ai dit. Nika karibia na nikasema. Monsieur. Jama. Il me répond, oui mon ami blanc. J'ai dit, je vois qu'est-ce qui vous est tant ému. Qu'est-ce qui vous a tant émotionné? Il a répondu, monsieur, si vous pouviez toucher mon côté,
vous y sentirez des cales. Il a dit, akasema, jadis, zamani, j'étais un esclave. Dans cette petite vitrine est exposé un costume. J'ai dit, je vois que c'est un costume. Mais qu'y a-t-il de si particulier à cela? Alléluia. Alléluia. Ne voyez pas le costume comme Fernando. Ici nous sommes à l'église. Costume, Kochi, c'est un homme. Branham dit, qu'est-ce qu'il y a de si spécial? Un homme ordinaire. Frère Branham dit, il a dit, akasema, cette tache là dessus, c'est le sang d'Abraham Lincoln. Damu ya Abraham Lincoln. Il a dit, akasema, ce sang, il est damu, m'a libéré uru, de la ceinture d'esclavage. Kubutumwa. Il ajoute, akaongeza, alors, homme blanc, muzungu, cela n'aurait-il pas de quoi vous émouvoir? Il aita kuchechemusha, aita kushtusha. Homme blanc, tu ne peux pas voir que c'est tellement émouvant. Sur ce costume, il y a une tache. Le costume n'était pas Abraham Lincoln. Abraham Lincoln. Alléluia. Alléluia. Le costume était l'habit d'Abraham Lincoln. Abraham Lincoln. Mais Abraham, Abraham qui est fusillé, son sang n'est pas resté sur son corps. C'est quelqu'un d'autre qui a le sang d'Abraham Lincoln. Abraham Lincoln. Et quand tu regardes ce costume, cela amène les larmes. On pense comment nous étions esclaves et comment Abraham Lincoln donna sa vie. Gloire à Dieu. Ce soir, à cause d'une tache de sang sur le manteau, sur le manteau, cela doit nous libérer, car cela montre que quelqu'un a versé son sang. Frère Branham dit, Abraham Lincoln ne l'a pas fait avec sa volonté, mais notre Seigneur Jésus, il s'est engagé avec sa propre volonté. Branham dit, il a affronté la mort avec une seule écriture qui disait, je ne permettrai pas que mon saint voie la corruption. Jésus savait, pour régler la question du péché, il fallait qu'il puisse mourir. Il l'a fait avec sa volonté. Il n'était pas surpris. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit loué. Frère Branham dit, quand il partait pour être tué dans la chair, Jésus a eu peur. Il a commencé à négocier. S'il y avait moyen qu'il puisse échapper, mais Dieu lui dit, ça c'est depuis l'éternité que j'avais déjà immolé l'agneau, et toi tu es venu comme l'agneau. Si je t'épargne, mais je t'épuise le vent
être mal joué. Il fallait qu'il aille, qu'il affronte la mort et le sang de Jésus. Écoutez, frère Branham, il dit, j'ai mis mon bras autour de son vieux cou et j'ai dit que Dieu vous bénisse. Il ne l'a pas blâmé pour dire pourquoi tu pleures devant Abraham Lincoln. C'est un homme. Il a d'abord dit que Dieu vous bénisse. Frère, je connais un autre sang. Mina jua damu ingine. Frère Branham dit, un autre sang qui m'émeut. Damu ingine yenyewe inmwangikaka. Qui m'émeut. Ah, yenyene inanichangamushaka. Voilà. Il a dit, anasema, je connais aussi ce sang-là. Najua pia ile damu ile. Donc le vieux homme noir manake ule babu connaissait aussi le sang de Jésus. Alijuaka pia damu. Mais quand il a vu le manteau d'Abraham, il a commencé à pleurer. Akaanza kuria. Branham dit, Branham anasema, j'ai dit, nikasema, il m'a libéré arinikomboaka d'une ceinture d'esclavage. Alléluia. Alléluia. Le sang de Jésus nous a libérés d'une ceinture d'esclavage. Et vous savez, quand on est libre, on ne négocie plus avec son maître. Ça, c'est une loi. Une fois que tu es déclaré libre, tu rentres étant hautain. Tu rentres avec l'orgueil. Alléluia. Alléluia. Lui verra ton attitude. Est-ce que tu as toujours le mental d'esclave? Ou tu es conscient que tu es libre? Parce que le décret déjà signé, le prix est payé. Qu'est-ce qui va encore te retenir? Alléluia. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, quand on sonnait la trompette pour les jubilés, la Bible dit, même si tu étais au champ, en train de labourer le champ de ton maître, et que tu entends le son de la trompette, c'était dans ton droit de prendre la houe, les machettes, Na et les autres choses là, na na vitu ingine, tu jettes ça, unabitupa, tu rentres. Naruria, si tu avais des affaires na vitu yako, que tu avais laissé à la maison là, kule nyumba chefu yako, tu reviens unaruria, même sans les saluer, tu prends tes choses. Unabeba bintu yako, parce que quoi? Nini? Parce que tu es libre. Alléluia. Alléluia. Mais si la trompette a sonné et tu gardes le mental, parce que le problème c'est quand le mental n'est pas correct. Frère Branham dit, si votre attitude mentale est correct vis-à-vis de la promesse, cela amènera Dieu à agir. Mais la trompette a sonné, tu rentres toujours comme esclave pour négocier. Maître, est-ce que je peux quitter, que je termine la partie là, puis je peux aller? C'est que tu n'as pas compris le vrai sens de la liberté. Mais comme la trompette a sonné et le véritable sang, le véritable sang de notre Seigneur Jésus est versé, plus de condamnation. La Bible dit, lève-toi et marche, lève-toi et brille. Alléluia.
Alléluia. Ça c'était Abraham Lincoln. Abraham Lincoln. Frère Branham parle d'un autre héros qui avait frayé la voie à la liberté. C'était Arnold de Suisse. Alléluia. Frère Branham dit, quand je lis l'histoire, j'ai compris que c'est parmi les grands héroïsmes que le monde n'ait jamais connu. Pour gagner le temps, Branham dit, l'Allemagne à l'époque, il était la grande puissance. Alors il a cru qu'il pouvait tout faire. Il pouvait anéantir qui il voulait. Et il est allé pour attaquer ce petit pays de Suisse. La Suisse est un petit pays qui se trouve dans des montagnes. Branham dit, l'Allemagne est allée pour s'engager dans la guerre. Quand la Suisse a regardé tout autour d'elle, il n'y avait pas un seul signe qui pouvait montrer la victoire. La victoire devant l'Allemagne. Amen. Amina. Ils se sont posé des questions. Nous n'avons pas une grande armée. Nous n'avons pas de matériaux. Comment est-ce que nous allons faire face? Et il n'y avait pas de réponse. Frère Branham dit, jusqu'à ce qu'un jeune homme, il avait à peu près 33 ans, il s'appelait Arnold. Le jeune homme a regardé, si je reste ici, cette armée viendra nous tuer. Si je cours dans les montagnes, ils tueront ma femme et mes enfants. Qu'est-ce que je peux faire? Frère Branham dit, Arnold s'est dit, aujourd'hui je vais écrire l'histoire de la Suisse. Et il a rassemblé ses frères. Il leur a dit, aujourd'hui je vais vous libérer. Ils se sont étonnés, comment est-ce que tu vas nous libérer de voir ce genre de conditions? Quelqu'un qui se lève pour dire qu'aujourd'hui je vais vous libérer. Amen. Amina. Et il a répondu. Na akajibu. Quand on lui a demandé comment tu vas faire, il a dit, vous suivez-moi simplement. Que celui qui a la pierre, que celui qui a la lance, que celui qui a la lance pierre, seulement n'y allez pas sans quelque chose, même les gifles. Nous allons, vous allez me suivre et moi je vais mourir pour vous. C'était comme de la blague. Frère Branham dit, quand les lances allemands ont commencé à parvenir en train de faire des morts, Arnold a commencé à courir seulement là où les lances Branham dit, il courait avec toutes ses forces en train d'embrasser les lances. Il prenait des lances, il s'enfonçait lui-même, mais il était en train d'avancer. Quand l'armée allemande a vu un homme qui venait comme ça, ils ont voulu tourner le dos pour fuir, et c'était la plus grosse erreur. Quand ils ont tourné le dos, la Suisse a ravagé et c'est resté un mémorial. Frère Branham dit, qu'est-ce que Frère Branham dit? Il dit dans la prédication, ta postérité possédera. Na uzao wako itariti. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Amen. Amina. Est-ce que vous êtes là?
Est-ce que vous aimez frère Branham? Et mpenda ndugu Branham? Que Dieu soit loué. Mungu asifiwe. Et ta postérité possédera la porte de l'ennemi. Na uzao wako itawina milango ya adui. Frère Branham dit ceci. Mama sema hivi. Au point 104. Kifungua kia mia na ine. Il dit. Anasema. Et Satan. Na Shetan. Non, non, ce n'est pas là. Apana, haiko hapa. Ok. Dio. Il dit ceci. Anasema hivi. Donc les portes dans la porte, c'est ce que je voulais dire. Mulango ndania, milango ndania mulango. Et il dit. Anasema. Il y a un homme. Comme tu moja, il était devenu nerveux. Alikuwa wakisilani. À la suite de tous les tirs des mousquettes. Kutokea kuripuka kwa mi. Et des gens qui se mouraient. Il était un soldat. Alikuwa nakufa, alikuwa askari. Il a tellement bouleversé qu'il a levé les mains et s'est mis à crier. Il a fui et il a dit. Je connais ces garçons. Najua ule kijana ule. Un militaire était à la guerre. Askari moja alikuwa kumvita. Et tellement qu'il y avait des tirs et na toutes ces choses, pika masasi, na ça l'a bouleversé. Ile mambo, ili muhuji, kabisa, ili muangaisha. Selon les règles de l'armée, kulingana na makanuni ya kijesi, il ne pouvait pas déserter. Akuweza kukimbia kumvita. Mais ce militaire, quand il a vu ça, il a fui. Uyo askari, uyo, kata aliona ile, alipita mbio. Et on l'a condamné à mort. Na baka mukumu, asima batamuua. On l'a dit, comme toi tu as fait ça, vile wo likimbia vita, tu seras fusillé. Batakupika masasi, utakufa. Mais là, quelqu'un qui le connaissait et qui était en relation avec Abraham Lincoln, il est allé plaider pour ces jeunes militaires. Il dit, je connais ces garçons, monsieur Lincoln, il n'y a que votre nom ni paka jina lako sur ce morceau de papier paiki pande ya kartasi qui peut lui épargner la vie. Je naweza kumwepusha kulufu. Frère Branham dit, mama asema, vous dites, unasema, que représente le nom d'un homme pour nous? Mana ya jina ya mtu ina maana gani kwa ajili yetu? Est-ce que c'est quelque chose? Et ni kitu ya kabaila? Branham dit, oh frère. Mama sema, nduku. Si seulement vous connaissiez. Kama tu murijuaka. Ce que signifie. Mana ya. Certains de ces noms. Majina ingine ingine. Moderne. Iya sasa. Que nous portons. Ile tuko nayo. Je ne vais pas les citer. Chita ita majina ile. Donc les noms modernes. Manake majina ya leo. Comme William Marion Branham. William Marion Branham. Parce qu'un frère disait. Kwani kuko ndugu alikuwa anasema. Qu'est-ce qu'un nom peut faire? Ma jina inaweza kuwa na maana gani? Branham dit. Branham anasema. Je ne vais pas les citer. Chipende kutama jina ile. Puisque ça va vous blesser. Kwani itamiuzi kabisa. Mais kwa lakini Dieu a des noms. Mungu eko na majina qui signifie quelque chose. Majina ile eko na maana fulani. Dieu a des noms. Mungu eko na majina qui signifie quelque chose. Majina ile eko na maana fulani. Ça change tout le cours des choses. Inabadilishaka bintu byote. Oh, vous dites. Munasema. C'est absurde. Ya ovyo. Alléluia. Alléluia. Dieu a des noms. Mungu eko na majina qui peuvent changer le cours des choses. C'est ce qu'il a fait avec Abraham Lincoln. Et aujourd'hui avec frère Branham. Amen. Amina. Frère Branham dit, vous connaissez tous dans la prédication des œuvres sont les expressions de la foi. Branham parle de Madame Fenton quand il a vu le rêve. Arilotaka des gens enfermés dans la maison de l'enfer. Frère Branham dit, Branham anasema, quand ils étaient là, wakati parikuwa kamule, c'était des hommes bien. Ilikuwani watu wazima. Mais une fois wakati, possédés, wakati tu unashikwa, ils deviennent bizarres, mal compris. Barakuelewa mubaya. Il dit, anasema,
Et quand j'ai vu, puisque j'ai vu cet homme sortir de ses chaînes, alors je m'éloignais de lui. Je me suis dit, je vais voir ce qu'il va faire. Lorsqu'il fut sorti, il était un petit peu bien. Alors j'ai vu d'autres qui essayaient de se libérer. Amen. Amina. Mais Kualakini. Ce n'était qu'un rêve. Lorsque j'ai vu le frère Roy, un de mes très bons amis qui vit en Californie, il avait l'air malade. Ses yeux étaient mi-clos. Il pouvait à peine me parler. Il disait, frère Branham, il faudra quelque chose de plus que ceci. Donc pour notre liberté, ce n'est pas toi-même. Il faut quelque chose de plus que celle-ci. Alléluia. Je ne peux pas le saisir. Frère Branham, je ne peux pas le saisir. Je dis, frère Bodes, je l'aime. Et je partais, puis c'est jusqu'à ce mon client. Elle s'appelait Madame Fenton. Madame Fenton, c'est une de nos amies intimes. À ma femme et à moi. Elle a dit, frère Branham, délivre-nous. Frère Branham, délivre-nous. Roy Bodes lui a dit, il faut quelque chose plus que ceci. Mais Madame Fenton, elle va interpréter quelque chose plus que ceci. C'est frère Branham. Elle est allée tout droit. Tout droit au but. Frère Branham, délivre-nous. Elle a dit, cette maison, c'est l'enfer. Branham dit, vous n'avez pas non plus compris ces gens. Ce sont des braves gens. Il y avait là des gens ayant perdu l'esprit. Ils se tordaient les bras et les jambes. Ils se frappaient la tête. Ils disaient, maintenant c'est tous les frères. Ils disaient, oh frère Branham, délivre ces gens. Alléluia. Alléluia. Elle dit, akasema, venez à notre secours. Kuja utu saidie. Venez à notre secours. Kuja utu saidie. Or il est écrit dans la Bible, imeandikiwa mu Biblia, maudit soit, alainiwe, maudit soit, alainiwe, celui qui se confie ule anajitolea dans l'homme. Dani ya mutu. Il est city. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. Mais le secours vient de l'Éternel. Mais dans la maison de l'enfer, on dit à frère Branham, viens à notre secours. Nous sommes dans les tourments. Alléluia. Alléluia. J'ai regardé autour de moi et j'ai dit, j'aurais aimé pouvoir le faire.
Je continuais à regarder tout autour. Mon pauvre corps contre ces énormes barreaux. Ils étaient très rapprochés. Je les voyais se cogner la tête. Puis j'ai vu à proximité briller quelques lumières. J'ai regardé et voici le Seigneur Jésus s'éteignait là, environné de couleurs d'arc-en-ciel. Il regardait droit dans ma direction. Alléluia. Alors que les gens cherchaient le secours, Jésus apparaît. Mais il regarde droit dans la direction de frère Branham. Amen. Branham a dit, j'ai dit, il m'a dit, vois, délivre ces gens. Quand il a dit ça, puis il s'en alla. Alléluia. Je me suis dit, eh bien, comment je vais les délivrer? J'ai dit alors, en fait, relâché Achilia, au nom de Jésus-Christ, afin ce soir relâché Achilia, au nom de Jésus-Christ, il y eut des craquements, des éclats, et les rochers roulèrent et les barreaux tombaient et les les gens coururent en criant, délivré, délivré. J'ai crié alors, frère Bodez, où êtes-vous? Ce soir, fellowship tabernacle, où êtes-vous? Alléluia, car la liberté est venue. La délivrance est venue. Je vais lire pour terminer. Ceci doit nous amener dans la prière. Non pas comme des gens liés, mais comme des gens libres. Car un grand temps est venu sur la terre dans la mission de nous délivrer. Dans la mission de nous délivrer. Frère Branham dit, qu'est-ce que frère Branham dit? Il est en train de réprimander. Il réprimande le mauvais esprit. Il dit ceci. Branham dit, question réponse du 27 mai 62. Ya tarehe 27 mwezi wa 5 mwaka wa 62. Branham dit, Branham anasema, vous pouvez penser, munaweza kufikiri, que vous êtes aussi attaché, ya kwamba munaungana pia na ile, frère et sœur, ndugu na dada. Vous qui avez posé cette question, vous pouvez penser que le diable vous a attaché là, mais walakini, il ment. Anadanganya. Ce soir, leo, si vous pensez, wazia, le diable m'a lié, le diable m'a fait ceci, Branham dit, Branham anasema, il ment. Un jour, un homme est venu sur terre, Jésus Christ, Yesu Christo, le Fils de Dieu, Mwana wa Mungu, il vous a détaché. Ne croyez-vous pas cela? Amwamini ile.
Vous n'avez pas à rester là. Non, monsieur. Vous êtes libre. C'est vrai. Il mourit à votre place. Pour ôter vos péchés. Croyez simplement en lui. Battez les ailes. Et envolez-vous. Avec les autres. Na bengine. Avec les autres qui sont délivrés. Na bengine bale balisha kombo. Alléluia. Alléluia. Il termine pour dire. Anamaliza kwa ajili ya kusema. Cher sœur. Dada wa damani. Ou cher frère. Au nduku wa damani. Je pourrais certainement vous imposer les mains. Akika naweza kukutilia mikono. Mais. Cela ne vous rendrait pas libre. Ce qui vous rendrait libre, c'est de savoir que vous êtes déjà libre. On n'a pas besoin d'imposition de main, mais savoir si seulement ce soir vous pouvez savoir que je suis déjà libre. Branham me dit, vous êtes déjà libre. Vous n'avez pas à vous inquiéter au sujet de votre liberté. Vous êtes déjà libre. Jésus vous a libéré. Ne vous mettez plus le joug de la servitude. Il termine pour dire, vous êtes totalement libre. Alléluia. Alléluia. Ce soir, nous sommes totalement libres. Rien ne peut vous arrêter. Ne pensez pas à d'autres choses. Juste le fait de savoir que je suis libre. Vous êtes déjà libre. Que Dieu vous bénisse pour ce soir. Que Dieu vous bénisse. Alors que vous tenez debout. Acclamons le Seigneur Jésus. Bikelekele kwa Bwana Yesu. Alors que nous nous tenons debout, nous devons savoir que nous sommes libres. Il y a quelqu'un qui a donné sa vie pour nous. Il a répondu à toutes les exigences de Dieu pour notre délivrance. Alors que nous nous tenons debout, nous allons prier. On nous chante 34 dans Croix seulement. Twimbe salasina ine mukitabu amini tu. Quand je verrai le sang, wakati je passerai. Taona damu tapita juu.